Salut, c'est Strater! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Bon, et je présente mes excuses à ma petite communauté. Oui, à vous, public. Je suis désolé les gars, j'ai pas été très productif. Je vous expliquerai dans une autre vidéo peut-être pourquoi il y a eu un petit problème sur ma chaîne, pourquoi je n'ai pas sorti des vidéos. C'est une longue histoire sans fin. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir un petit peu du jeu. Allez, on se fait plaisir ensemble à aller voir un replay et regarder la petite surprise pour recommencer la production de vidéos et vous faire plaisir. Eh ben, je vous ai choisi une petite pépite. Regardez. On est allé voir chez les Aubert. Oui, les Aubert, c'est qui? Certains ne connaissent pas encore ce clan-là? Eh bien, c'est tout simplement, on va dire, le meilleur clan français en guerre de clan. Oui, 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 j'ose le dire. Pourquoi? Ils ont un ratio de victoire et de défaite indécent. C'est le seul clan à avoir franchi la barre des 400 victoires. Autant dire qu'il défonce, qu'il poutre. J'ai trouvé du très très beau jeu. Et on va se faire plaisir à aller commenter cette guerre, même si il y a quelques jours qu'elle s'est passée. Je sais, les Aubert m'en veulent terriblement. Ils m'ont invité gentiment à me dire, tu veux voir du beau jeu? Oui, je veux bien. Oui, oui, ça m'intéresse un peu beaucoup. Bon, donc, chose promise, chose due. Allons voir cette guerre et regardez en premier replay. On va aller voir Virtuose. Oh, allez, on va lancer la partie, on est un petit peu en live. Et on va remonter fort mesure dans les reps les plus intéressants de cette guerre de clan. Alors, où est-il, Virtuose? Voilà. Alors, sur le village numéro 38, les Arkix ne sont pas au sol et en ce moment on a tendance à les poser. Et pourtant, regardez, on a une composition d'attaque aérienne. Hein? Une attaque aérienne alors que les Arkix sont pas au sol, j'ai envie de te dire, c'est pas terrible, alors que les anti-airs sont bien améliorés, on est dans un village totalement maxé. Et on a le classique Go Mobile, donc un push terrestre d'abord pour aller déquiller, défoncer les défenses anti-airs. Donc très très large, hein. Il est allé chercher très très large Virtuose, mais il a raison, il va sanctionner les deux anti-airs proches de l'arène. Il a trouvé une faille, c'est pour ça qu'il fait une attaque aérienne sur ce village, il a bien raison, c'est donc sanction. Ogo Mobile, très très bien vu, deux entières sont proches en compartiment avec une reine, c'est la sanction, le petit rage qui va bien, le château de clan qui s'enclenche, très anti-terrestre s'il vous plaît, et la reine qui n'a pas suivi, la reine qui est en train de taper un mur, un golem aussi n'a pas suivi, donc le push qui se passe quand même bien, une des entières a été démolie, la reine a été démolie, mais il reste le dragon en l'air, attention, l'entière est toujours pas tombée, voilà l'entière qui tombe, et on a déjà lancé son attaque aérienne, très très joli déploiement de ballon, d'ailleurs au passage, on va double rager sur les entières juste devant, il a bien raison parce que les molosses vont exploser sur les entières, donc ça va rager les roquets de lave, ça va rager les ballons qui vont arriver, hein, on les lance devant les entières, c'est très très bien vu, et regardez, bah... j'ai plus rien à commenter, c'est déjà terminé, tout a explosé, il reste beaucoup de ballons, c'est passé très très large, très très crème comme on dit, alors que les squelettes étaient en entier rien hein, sur cette base, hein. Et ben voilà, mon dieu, mon dieu, mon dieu, très belle sanction, voyez, le Go Mobile ce n'est pas oublié, je sais que ça fait longtemps que dans plein de clans on le fait plus, mais quand on est le top clan français, et bien ça ne s'oublie pas les attaques aériennes, parce que on peut véritablement sanctionner les villages, et là la sanction a été lourde de la part de Virtuose. Très très bien vu, deux entières collées, une reine, on va se régaler, avec un Go Mobile. Et ben voilà, un bon petit rappel hein, de la part de Virtuose sur cette technique, elle est belle, elle est magnifique. Oh là là, ça va être un plaisir de vous commenter ces parties, ça va être un véritable plaisir. Promis, je vais vous sortir, pas tous les jours, mais assez rapidement, toutes ces belles parties que vous allez voir avec les Aubert. Quelle démonstration dans tout ce que vous allez avoir. C'est magnifique. Allez, à la prochaine et boum!